وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ حالیہ زمانے میں یہاں جرمنی اور دوسرے مغربی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ دائیں بازو کی جماعتوں کی ممبرشپ کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اس کی اس شدید پریشان کن صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں کے مقامی باشندے دن بدن اس بات سے پریشان ہیں کہ انہیں یا ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ ان کی حکومتیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کی اس پریشانی کی بڑی وجہ یہاں مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد میں وہ مہاجرین یا تارکین وطن کی آمد ہے، اور خاص طور پر یہاں جرمنی میں جہاں یہاں مہاجرین کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت کہیں زیادہ ہے جو حال ہی میں یہاں آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے مقامی باشندے اس بات کے لیے تشویش کا شکار ہیں کہ ان کے معاشرے پر اس کے بہت منفی اثرات ہوں گے، اور اس طرح نتیجتاً ان کے قومی وسائل میں کی بہت بڑے کہ ایک بہت بڑا حصہ ان تارکین وطن کے حصے میں آئے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن کو اسلام کے ساتھ مسئلہ ہے۔ Donc, lorsque l'extrême droite et leurs supporters sont en train de se rallier, leur but réel, c'est de s'attaquer à l'islam et d'empêcher leur nation de connaître l'islam. Ils voient l'islam comme étant incompatible avec les valeurs occidentales. Ils essaient de propager leur croyance qui est que les musulmans sont incapables de s'intégrer de façon réussie dans l'Occident et sont une menace pour leur existence. Et en plus, donc beaucoup de non-musulmans croient que l'islam est une religion d'extrémisme, et ils s'imaginent que ces musulmans qui viennent d'ici en tant qu'immigrés seront des extrémistes ou des fanatiques religieux qui vont répandre le poison dans la société. Ils vont inciter la division et déranger le bien-être et la paix de leur nation. Donc certainement, ce sentiment de danger donc est en train de se répandre dans certains pays ici, notamment en Allemagne, et donc il y a des campagnes en cours qui ont contre la construction des mosquées. Nous, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, ne sommes pas immunisés contre une telle opposition. Ici, certains groupes en Allemagne aussi ont lancé des campagnes de façon vraiment énergétique contre nous pour nous empêcher de construire nos mosquées. Et ils ont lancé des campagnes contre nous alors que malgré le fait que notre principe de base, c'est l'amour pour tous, c'est la haine pour personne. Et depuis 130 ans, nous sommes à l'avant-garde dans la promotion de l'amour, de la fraternité et la compassion dans tous les coins du monde. Notre histoire est témoin du fait que là où nous avons construit des mosquées, où nous sommes établis, les craintes des personnes... Those who initially viewed us with suspicion have quickly become our loyal friends and sincere supporters. Throughout the world, our neighbors happily attest to the fact that Ahmadi Muslims... Répondons à un message de sympathie humaine, mais
à cause de l'état du monde musulman en général, donc l'état terrible dans lequel il se trouve, les musulmans ahmadis ont aussi souffert des conséquences. Une autre accusation qui est lancée contre nous, contre notre immigration donc, c'est que les immigrés sont enclins à abuser sexuellement des femmes en Occident. Il y a un rapport qu'une proportion élevée de viols ou de tentatives de viol dans un pays occidental. Et donc ce sont des immigrés qui en sont responsables. Dieu seul sait si ces chiffres, ces statistiques sont justes, sont corrects, mais lorsque ces informations sont relâchées dans le public, cela affecte d'autres nations aussi et l'opposition continue d'augmenter. Un autre point est que différents partis politiques et des politiciens sur lesquels ils se sont donc concentrés, c'est que c'est un fardeau sur la taxe une taxation de la population locale qui d'accueillir toutes ces personnes et que donc l'immigration à grande échelle donc va être un fardeau financier sur ou économique sur le pays d'accueil et que ce sera les personnes qui paient la taxe localement ou au niveau de la nation qui vont payer qui vont régler la facture. Donc évidemment des gens qui ont travaillé pour toute leur vie qui ont contribué à la nation. Donc évidemment ils ont le droit de se demander si leur argent doit aller pour aider les immigrés ou aller plutôt sur des plans qui vont améliorer l'économie nationale. Donc je ne nie pas le fait que ces questions soient là et que évidemment de telles questions vont continuer à apparaître au niveau de la société. Là où il y aura une immigration en masse, cela va évidemment mener à des problèmes donc sécuritaires. Et il a été montré que parfois, caché parmi les émigrés donc innocents, il y a aussi certains éléments terroristes qui sont là et qu'ils peuvent causer des dégâts. Donc en Allemagne, il y avait une immigrée avait été kidnappée et gardée comme esclave et elle a dit en Irak, donc elle a été choquée de voir que la personne qui l'avait kidnappée vivait librement en Allemagne, qui était venu donc sous le prétexte d'avoir été persécuté lui-même. Donc j'ai averti le monde de cela dans le passé et que chaque cas doit être analysé avec beaucoup de soin pour s'assurer que les immigrés qui viennent que les gens qui viennent en tant qu'immigrés soient innocents. Donc les craintes par rapport aux immigrés venant des pays musulmans sont justifiées dans une certaine mesure, mais d'autre part, il faut que qu'une personne intelligente et sage, qu'elle regarde les deux côtés de l'histoire et qu'elle ne base pas ses impressions seulement sur les musulmans et l'islam, ne base pas cela seulement sur l'ouï-dire. Seulement parce que quelqu'un est en train de déclarer l'islam une religion d'extrémisme, on ne peut pas dire alors que tous les musulmans donc sont extrémistes. Cela ne va pas pour autant faire que ça soit vrai. Donc on ne peut pas arriver à une conclusion en se basant sur cette chose-là seule. Avant d'arriver à une conclusion définitive, il faut, pour savoir si les enseignements de l'islam sont de nature extrémiste, il faut faire une analyse, il faut faire une investigation, une enquête à ce sujet. Il faut voir pourquoi certains musulmans sont motivés d'une certaine façon par les enseignements de l'islam et voir si l'islam
permet réellement l'extrémisme, ou est-ce qu'il essaie, ou est-ce qu'il prêche et enjoint une punition sévère pour ceux qui font le désordre dans la société? Est-ce qu'il permet aux gens de bafouer les lois du pays? Que dit l'islam à propos de la façon de s'en prendre à eux par rapport à leur comportement dans la société? Est-ce que l'islam est en train de leur dire à ses suivants donc de travailler dur et de faire une contribution positive à la société dans laquelle ils vivent? Donc s'il est prouvé que les musulmans qui se comportent mal sont motivés par leur religion pour se faire, eh bien là on pourra dire que l'extrême droite a raison dans ses craintes. Mais sinon, peut-être que ces actions n'ont rien à voir avec l'islam. Et que dira-t-on si les groupes anti-islamiques sont en train de répandre seulement des mythes basés sur des fantasmes et pas sur des faits? Donc dans le peu de temps qui m'est imparti, je vais présenter certains points qui vont aider à répondre à ces questions et vous permettre de comprendre l'essence réelle des enseignements de l'islam. Donc tout d'abord, un principe de base dans l'islam, c'est que là où un musulman aspire à vivre, il doit aussi faire des efforts pour offrir la paix ou assurer la paix pour les autres aussi. Les gens au début de l'islam ont donc participé dans des guerres et les gens montrent cela du doigt pour dire que l'islam permet en fait la force, la contrainte et la guerre. Mais la réalité, c'est que les musulmans ont enduré 13 années de persécution intense et sans arrêt, sans répliquer d'une quelconque façon que ce soit. Mais alors, en fin de compte, Allah leur a donné la permission, et c'est dans le chapitre 22, versets 40 à 42 dans le Saint-Coran, donc il leur a donné la permission de se défendre. Dans ces versets-là, et ce sont des versets qui ont été récités devant vous tout à l'heure, Allah le Très-Haut a dit, le Tout-Puissant a dit, que ceux qui ont été persécutés et chassés de leur demeure ont la permission de se défendre de cruauté à l'avenir. Donc le Coran stipule que si les musulmans ne se défendaient pas, ne défendaient pas leur religion, les églises, les temples, les synagogues et les mosquées et d'autres endroits, d'autres lieux d'adoration seraient en grave danger. Donc la permission, l'autorisation a été donnée pour protéger les droits de toutes les communautés religieuses afin qu'elles puissent vivre selon leurs croyances particulières. Dans le chapitre 10, Allah dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que s'il l'avait désiré, il aurait pu Allah aurait pu contraindre tout le monde à croire et à accepter l'islam. Mais au lieu de se faire, Allah a préféré qu'il y ait la liberté de conscience. Dans le chapitre 30 du chapitre 10, Allah dit que les musulmans doivent proclamer leur message de façon ouverte et dire que l'islam est une religion vraie de Dieu, mais dit aussi que tout un chacun est libre d'accepter ou de rejeter ce message. Allah dit, laissez celui qui le veut croire et celui qui ne veut pas croire, laissez-le ne pas croire. Donc Allah est en train de parler de ces non-musulmans qui ont accepté que l'islam, ont reconnu que l'islam était une religion bienfaisante. Mais ils ont quand même refusé l'islam à cause de leurs intérêts propres. Et le Coran dit que si nous devions suivre cette direction que vous avez, on allait nous arracher de nos terres. Donc voilà l'image de l'islam qui encourage les musulmans à participer positivement à leur société. Donc les musulmans qui veulent proclamer le djihad pour s'attaquer aux non-musulmans ou les convertir par la contrainte à l'islam sont donc totalement erronés. De telles croyances et de telles attitudes n'ont absolument rien à faire avec les enseignements de l'islam.
une autre accusation qu'on porte contre l'islam, que j'avais mentionné tout à l'heure, a trait au traitement des femmes, dont certains non-musulmans craignent que si les musulmans vont immigrer jusque dans l'Occident, vers l'Occident, ils vont donc s'en prendre aux femmes, et c'est vrai que certains ont été coupables de tels actes, et ils ont créé donc de l'anxiété, des angoisses au niveau de la société. Mais nous devons le dire de façon catégorique et de façon très claire, que quiconque s'en prend à l'honneur d'une femme ou abuse d'elle d'une façon quelconque est en train d'agir à l'encontre des enseignements de l'islam. L'islam considère un tel comportement comme étant cruel et criminel, et a aussi donné des prescriptions pour s'en prendre à ces criminels-là, donc des gens qui sont responsables de tels crimes-là. Par exemple, l'islam décrète que si un musulman est coupable d'un tel crime, il devrait être fouetté en public. Donc si vous voulez vraiment déraciner un tel comportement, les musulmans qui sont coupables de tels crimes horribles devraient être punis selon la loi islamique, même si je suis certain que les gouvernements occidentaux ne vont pas accepter de telles idées, et certains activistes des droits de l'homme vont s'objecter contre ces mesures-là, mais je le dis quand même. Une autre mesure pour protéger les citoyens et nous devons savoir que on sait que que l'arrivée d'immigrés est un poids énorme sur les États. Aucun immigré donc ne doit entrer en pensant ce qu'il va prendre de ce gouvernement, mais plutôt penser à ce qu'il peut contribuer au gouvernement qui va l'accueillir. Ils ont une dette de gratitude envers le gouvernement et le public pour les avoir accueillis. Et ils ne devraient pas perdre leur temps à chercher des bénéfices et des allocations du gouvernement. Ils devraient plutôt chercher à contribuer à la société aussi vite que possible. Ils devraient travailler dur et faire des efforts et entrer dans le travail, même si le seul travail l'emploi qu'ils peuvent avoir est un travail de base, un travail basique donc qui ne les rémunère pas beaucoup. Et ce sera donc un moyen pour eux de vivre, mais ce sera aussi un moyen pour l'État d'enlever la frustration de la nation qui les accueille. Chaque musulman doit garder en tête que le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait dit que la main qui donne est bien meilleure que la main qui reçoit. À beaucoup d'occasions, les gens ont essayé d'aider les compagnons, mais les compagnons ont refusé leur aide et ont voulu gagner leur vie eux-mêmes, de leurs propres moyens. Donc même si les réfugiés sont forcés de faire un travail vraiment basique, même s'ils sont plus qualifiés que cela par rapport à ce travail-là, ils devraient le faire plutôt que d'accepter l'aide du gouvernement. Sinon, les immigrés qui ne contribuent pas à la société vont un moyen d'augmenter l'angoisse au niveau de la population qui les accueille. Il devrait aussi s'assurer que les gouvernements oublient les besoins du peuple, de leur propre peuple. Il y a des fois qu'on voit que les immigrés reçoivent plus d'aide du gouvernement que par rapport aux populations locales. Cette frustration, donc, qui naît, on peut la comprendre. Et cette frustration ne va pas disparaître toute seule. Il y aura toujours une réaction qui suit la frustration. Donc chaque gouvernement devrait mettre en œuvre des
juste, qui garde en avant, qui met en avant les droits des citoyens et des immigrés également. Et les citoyens devraient être traités, mieux traités que les immigrés, évidemment. Quelques jours de cela, on a dit que le gouvernement allemand considérait une police nouvelle où les immigrés devraient faire un an de service militaire pour pouvoir entrer dans le pays. Certains disent que cela va tout simplement être un moyen d'utiliser cette personne de façon gratuite et ne va pas les aider à s'émigrer. Mais moi, selon moi, le service de la communauté, le service communautaire serait une très bonne chose, car il en va du devoir de tout un chacun de rester au service de la société et d'aider les membres de cette société, justement. Donc le gouvernement devrait mérite nos louanges plutôt que notre critique. Mais toutefois, les responsabilités du gouvernement d'accueil ne devrait pas s'arrêter seulement à la proposition qu'on ait donc le service communautaire, le service social, mais il faudrait les aider, à ces immigrés, à contribuer le plus vite possible à la société. Si les immigrés n'ont pas, par exemple, le savoir-faire pour travailler ici, on devrait les former. On devrait faire d'eux des apprentis. Pour acquérir ces connaissances et ce know-how, donc qu'ils puissent devenir un investissement valable pour l'avenir. S'il y a un doute quelconque à propos du passé donc de certains immigrés, il faudrait que les autorités les surveillent pendant quelque temps afin de savoir qu'ils ne posent aucun risque pour la société. Certains voudraient considérer cela une police d'intrusion dans la vie privée de la personne, mais c'est un moyen de préserver la nation du danger, et parce que la préservation de la paix est quelque chose qui prime. S'il y a des immigrés qui viennent dans l'intention de créer le désordre, ils sont en train d'aller à l'encontre, directement à l'encontre des enseignements de l'islam. Certes, dans le verset 192 du chapitre 2 du Saint-Coran, Allah dit que le meurtre est un crime terrible, mais le désordre, répandre le désordre et répandre la haine dans la société est pire encore. Cela ne signifie pas que le meurtre est un crime insignifiant, mais cela signifie au contraire que les ramifications donc du désordre, d'allumer ce feu de la haine dans la société qui va amener à la provocation, et aux réactions donc qui s'en suivent peuvent amener à des conflits et même à des guerres dans lesquelles des centaines de personnes seront opprimées et lésées. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avait dit que le vrai musulman, c'est celui dont les gens sont en sécurité aussi bien de sa langue que de sa main. Donc peut-on donc dire après tout cela que l'islam est une religion qui va faire la promotion, qui veut promouvoir la violence et le désordre? Comment peut-on dire que l'islam répand le désordre dans la société? Comment peut-on faire la revendication qui est que l'islam viole l'honneur des femmes et que l'islam permet aux musulmans d'usurper les droits et la propriété d'autrui? Quiconque est coupable d'un tel crime, qu'ils le disent être au nom de l'islam ou non, sont très éloignés en effet des enseignements de l'islam et seront tenus responsables pour ces atrocités. Ils devront en répondre. Donc l'islam veut que de toutes les façons possibles, l'islam demande à ses suivants de faire montre d'un exemple, d'un modèle des plus hautes valeurs morales et de l'honnêteté. Et l'islam dit qu'il ne faut pas qu'ils essayent de décevoir, de tromper donc les gens.
Dans le verset 83, verset 2 à 4, les musulmans sont enseignés l'importance du fair play au niveau du commerce. Allah dit que ceux qui ne mesurent pas avec justice, qui lorsqu'ils prennent des gens, ils prennent la pleine mesure, mais lorsqu'ils la donnent à autrui, ils leur donnent moins que ce qui leur revient. Donc ce verset dit que ceux qui sont en train d'exploiter les autres dans le business, qui essaient d'avoir un bénéfice injuste aux dépens des autres, sont ceux qui sont maudits et qui seront humiliés en fin de compte. La vérité, c'est que l'islam a sauvegardé la société de toute forme de cruauté et d'injustice et protège la vie et la propriété de tout un chacun. Il est donc... C'est vraiment regrettable donc que les gens continuent à s'en prendre au prophète de l'islam et portent toutes sortes d'accusations contre lui, alors que c'est lui qui avait occasionné qui avait apporté une révolution véritable dans la société. Jamais au cours de l'histoire de l'humanité n'avons vu de telle intégrité morale ont pu être vues comme telle que celle qui a été démontrée par les musulmans du début. Les compagnons n'allaient pas profiter les uns des autres, mais chacun essayait de s'assurer que tout un chacun avait ses droits accomplis. Il y a quelqu'un qui est venu vendre son cheval à 200 dinars. Un autre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu de l'avant pour acheter le cheval et lui a dit que 200 était beaucoup trop petit comme prix, et il dit que je vais payer 500 dinars. L'autre a dit que je ne veux pas prendre la charité, je veux faire une transaction juste. Mais celui qui vendait le cheval a dit que moi aussi je ne veux pas prendre de la charité et je ne veux que prendre 200 dinars. Donc leur argument était pour protéger les droits de l'autre, d'autrui, et pas leurs propres droits, alors qu'eux, ils allaient en souffrir financièrement. Alors pensez-y, si tous les membres de la société pouvaient vivre leur vie selon ces valeurs-là, comment la société deviendrait-elle? Ce serait une société dans laquelle tout le monde va donner la priorité à l'honnêteté, à l'intégrité, et le bien commun. En d'autres termes, ce sera une société islamique. Donc si quelqu'un voudrait savoir ce que représente l'islam, il devrait voir de tels exemples. Au lieu de les apprendre de ceux qui sèment l'intolérance et la haine. C'est le besoin de l'heure que tous les musulmans et non-musulmans nous arrêtions et essayons de réfléchir sur les conséquences de nos actions. Avec beaucoup de fierté, nous devons voir comment le monde est devenu un village interconnecté grâce aux communications et aux moyens de transport, mais nous devrions aussi réaliser le fait que nos responsabilités ont d'autant augmenté. Là où il y a des gens qui sont assujettis à des cruautés et de la brutalité dans leur pays d'origine, il faudrait que la communauté internationale les aide. La priorité devrait être de réconcilier les gens dans ces régions et d'amener la guerre à sa fin et d'œuvrer en faveur d'une paix durable. Mais si cela n'est pas possible, alors cela en va de notre devoir moral d'ouvrir nos cœurs et d'accepter des véritables réfugiés qui souffrent
pour des raisons qui les dépassent. La société ne devrait pas jeter des gens innocents qui veulent tout simplement avoir l'opportunité de vivre en paix et qui veulent être de bons citoyens et suivre les lois du pays dans lequel ils vont vivre. Nous devrions au contraire être là pour les aider, attendre une main pour qui aide donc à ces gens, à ceux qui ont été brisés, à ceux qui ont été tourmentés et qui sont complètement vulnérables et sans défense. Allons prouver, laissons-nous donc prouver notre humanité et notre compassion. Soyons là pour épauler le fardeau de ceux qui sont dans des besoins désespérés. Donc, d'autre part, les immigrés ont aussi de graves responsabilités dans leur pays d'origine. Il faut qu'ils essaient, les pays d'accueil, il faut qu'ils essaient de faire des efforts pour s'intégrer au pays. Ils ne devraient pas s'isoler ou se couper du reste de la communauté locale, mais devraient être au service, se mettre au service de leur pays d'adoption et contribuer à son développement et son progrès. Nous devons chercher des moyens pour amener les gens qui ont des origines différentes puissent vivre harmonieusement. Comme je l'avais dit, le monde est à présent comme un village global. Nous ne sommes pas en train de vivre dans ces époques révolues où ce qui se passait dans un pays n'affectait que ce pays-là ou au pire les pays aux alentours. Aujourd'hui, au contraire, nous vivons dans un temps où un conflit qui a trait dans n'importe quel pays a des ramifications et des conséquences sur le reste du monde. Ainsi, au lieu de craindre que les uns craignent les autres, nous devrions essayer de résoudre les problèmes à travers le dialogue dans un esprit de tolérance et de compassion. Notre but, notre objectif devrait être pas moins que l'établissement de la paix dans toute ville, dans toute métropole du monde. La communauté musulmane Ahmadiyya va toujours faire des efforts d'atteindre cet objectif. Et c'est à cette fin-là que nous propageons ce que nous considérons être l'ingrédient principal de la paix, qui est une croyance ferme que nous sommes tous les créatures de Dieu Tout-Puissant. Il a créé l'humanité afin qu'il puisse le reconnaître et remplir et honorer les droits les uns des autres. Nous sommes certains que si l'humanité arrive à cette réalisation-là, il y aura une paix durable qui va prévaloir. Nous sommes en train de voir le contraire de nos jours, malheureusement. Au lieu de s'unir et de chercher la paix à travers l'existence de Dieu, le Tout-Puissant, l'humanité s'est empêtrée dans des moyens d'apporter la paix qui sont des moyens matériels, tout simplement. Et l'humanité est en train de se détourner et de s'éloigner de la spiritualité de jour en jour. Et les résultats sont terrifiants. Et cela est ma conviction ferme, que la croyance en Dieu est le seul moyen de salut et le seul moyen d'amener la véritable paix au niveau national, aussi bien qu'international. Et donc c'est mon désir mon plus profond désir, que le monde reconnaisse son Créateur et suive ses enseignements réels, au lieu de poursuivre seulement des objectifs personnels ou individuels ou politiques. Je prie que nous puissions tous honorer les droits de tous, quelle que soit leur caste, leur croyance ou leur origine. De tout mon cœur, je prie que le gouffre qui existe entre Dieu entre les hommes et Dieu soit éliminé, et que nous puissions tous voir de nos yeux la vraie paix prévaloir dans le monde entier. Je vous remercie beaucoup.